C'est très clair, on veut être en Europe. Solène Rioux, vous êtes à Tbilissi pour LCI, bonjour. Solène, si le calendrier est respecté, cette loi qui a mis le feu aux poudres sera adoptée le 17 mai prochain. Alors, par exemple, hier soir, il y avait objectivement beaucoup moins de monde dans la rue que les soirs précédents. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que ça mollit globalement? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est puisqu'il reste 2 semaines, est-ce que les manifestants ont une chance, petite ou grande, d'inverser le processus et de bloquer le projet? Alors, mobilisation en baisse, en effet, déjà, pour vous répondre à cette première question, parce que demain, c'est la Pâque orthodoxe. Et même si toute la population n'est pas forcément religieuse, chrétienne orthodoxe, alors elle respecte en revanche les traditions, le calme et la sérénité qui y sont associés. Mais ce sont tout de même, selon les médias géorgiens, les médias locaux, près de 10 000 personnes qui se sont mobilisées dans les rues de Tbilissi hier soir. Évidemment, à mettre en regard avec les plusieurs dizaines de milliers d'opposants qui ont manifesté les soirs précédents, mais tout de même, beaucoup de jeunes, la génération Z se mobilise en masse. Alors, en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que si le nombre, c'est pas forcément le nombre, ce point d'honneur, mais plutôt le symbole, avec un trajet qui est passé notamment devant des lieux symboliques, emblématiques. Par exemple, je pense à l'hôtel Paragraphe, dont le propriétaire n'est autre que l'oligarque russe Ivanich Bili, qui est le fondateur du parti pro-russe Rêve Géorgien. Alors, vous l'avez dit, en effet, cette loi, cette troisième lecture va se dérouler à partir du 13 mai. Elle devrait être adoptée aux alentours du 17 mai, et ce, malgré le veto de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili. Et si les Géorgiens, certains d'entre eux se sentent résignés, la plupart, et on le voit dans les rues, on le constate largement, sont déterminés à continuer les manifestations parce qu'ils pensent, ils espèrent encore faire plier le gouvernement. Je vous rappelle que ça avait déjà été le cas en mars 2023 avec ce même texte de loi. Le gouvernement pro-russe avait fini par le retirer après 2 jours seulement de manifestations. Merci beaucoup Solène Rioux. Elle est avec Thibaut Bruck, voilà, là-bas à Tbilissi, en Géorgie. Et je vous rappelle quand même que tout ça avait commencé de la même manière en Ukraine, hein, en 2014, sur la place Maïdan, et presque pour les mêmes raisons d'ailleurs.